Salut à toutes et à tous, c'est TamTam, c'est Tute9. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation du serveur eSoup avec la team Robinus, Serpent et Sebanforce. Salut. Donc, on va commencer pour vous présenter les plugins qui sont sur ce serveur et je vais laisser la place à Sebanforce. Voilà, donc sur le serveur, en fait, on a rajouté pas mal de plugins inédits. Donc, alors, notamment le plugin Faction Titan, donc c'est une extension du plugin Faction. Donc il permet d'avoir des nouveaux mobs et tout ça. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez une vidéo explicative entièrement sur la chaîne du serveur. Ensuite on a également mis des nouvelles flèches, donc avec pas mal d'effets et tout ça. Donc on a également fait un tuto si vous voulez aller voir. Ensuite donc dans pas longtemps on va mettre un plugin des nouvelles soupes. Donc c'est à peu près comme les flèches, mais pour les soupes. Ensuite, on va mettre également l'enchantement protection 5 et ainsi que le moyen de le réparer avec des œufs d'Enter Dragon et tout ça. Donc, pas mal de petites nouveautés. Donc, c'est tout pour les nouveaux plugins. Juste donc le plugin Faction Titan, c'est inédit en France. C'est vraiment une grosse nouveauté. Donc, vous pouvez vraiment venir en profiter et tout ça. Donc maintenant on va vous présenter le spawn, donc Serpent, vas-y. Ouais. Alors donc voici, on est dans le spawn principal. Vous spawnerez ici quand vous arriverez. Donc tout d'abord, ça, c'est le PvP faction quoi. Ouais, c'est le spawn PvP faction. Ah oui, parce que oui c'est vrai. Donc ici voilà, c'est le spawn PvP faction avec de nombreuses règles. Et ainsi les plugins qui sont expliqués un peu partout. Donc les tables d'enchantement, les forges, tout ça. Là on est au spawn vraiment principal. Donc on a une PvP box et le spawn PvP faction qu'on a visité juste à l'instant. Donc la PvP box, vous pouvez y aller quand vous voulez, il n'y a ni power, il n'y a rien du tout, c'est juste pour le fun. Et puis voilà, donc on a encore de nombreuses places qui devraient arriver, on a encore deux places. Donc ça arrivera plus tard, normalement. De nouveaux portails quand il y aura de nombreuses personnes, voilà. Alors on pense notamment à mettre un free build et tout ça. Voilà, s'il y aura beaucoup de gens. Donc je vous montrerai un peu la PvP box, à quoi elle ressemble. C'est une arène romaine, comme vous pouvez le voir. Qui est tellement immense, enfin, c'est à dire vous pouvez monter dans les gradins, tout ça, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Pour l'instant, PvP box, on a mis des stuff faire avec des soupes. Donc le serveur est un PvP faction titan soupe. Donc il y a les soupes ainsi que le titan qui est rajouté en même temps. Oh, donc les soupes, si vous connaissez pas, c'est. Quand vous les buvez, ça vous régène 2 carrés de vie, je crois, ouais. Instantanément. Voilà. Donc si vous connaissez les MC, les Hunger Games, tout ça, ça sera bien pour vous. Préparer. Voilà, vous serez préparé. Donc, le spawn, le voici. Donc on remercie sincèrement le builder. Citrox. Qui a construit... excusez-moi pour les bugs de Chunk. Ça va être chaud. Donc c'est une sorte de château médiéval, enfin c'est un château médiéval avec de nombreuses maisons, tout ça. Ici on a l'entrée de Warzone, on a fait une Warzone avec plusieurs bâtiments et la Warzone est totalement plate pour favoriser le PvP. Soupe, voilà. Donc il y a déjà des avant-postes, on a mis les avant-postes parce qu'on trouvait ça bien. Et voilà. Voilà, donc sinon vous pouvez poursuivre toutes les nouveautés, vous pouvez aller sur notre Twitter, donc c'est eSoup Server, et également aussi sur le Facebook, bon, voilà, c'est eSoup. Sur le site aussi. Ouais, sur le site également. Et le c'est site le plus complet. Vous aurez les tutos. eSoup.fr. Et l'adresse IP c'est pvp.eSoup.fr. Donc tout ça sera dans la description de la vidéo. On espère que vous serez beaucoup à rejoindre, on attend beaucoup de monde. Si vous voulez partager cette vidéo, faites-le, aimez la vidéo, commentez-la. On attendra vos réponses. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. On vous répondra. Moi j'ai tout dit.
Je sais pas pour vous. Et si vous avez une question particulière à poser à une personne du staff, vous pouvez toujours nous contacter sur Skype, qui est disponible sur le site. Voilà. Donc je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ouais, ciao.